les amis, on se retrouve avec Louis qui nous vient tout droit du Nord, qui a gagné un concours de siffleurs. De siffleux. Ouais, c'est ça. À Cailleux-sur-Mer. Ouais. À Cailleux-sur-Mer en 2024, c'est ça, cette ouais, année. C'est ça, ouais, cette année. Ouais. Donc, en plus de ça, tu es assez doué avec ouais, les appos. Avec la peau, je me débrouille bien. Donc là, avec la gamme de chasse en Camargue, ouais. Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration? Je vais vous présenter tous les appos qu'on a ici sur le stand. Ouais. Donc là, je vais faire la cendrée, l'oie cendrée. Donc là c'est pour notre appo à cendré. Là après je vais vous faire le mâle chipo. Voilà, après on a plusieurs gammes en termes de commandes de sarcelles, on a deux gammes. Alors avec celui-ci on va pouvoir faire le mâle et la femelle sur le même appo. Avec celui-ci, on va faire que la femelle. Et alors après, pour nos appos à colvert, on va avoir plusieurs gammes. Celui-ci, on va être un peu sur une voix un peu plus grave. Et celui-ci, qui va être un appo acrylique, on va pouvoir aller chercher quand même, enfin avoir tendance à aller chercher un petit peu plus loin. Et voilà. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette belle démo. Bon, tous ces appos, on peut les trouver sur le site internet de Chasse en Camargue. Excellent. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'entraîner pour devenir aussi bon que lui. Voilà. C'est de l'entraînement. On va aller voir Gabion Unlimited. Bon, on se retrouve avec JV. Salut JV. Salut. Alors, présente-toi. Alors, moi en fait, j'ai créé Gabion Unlimited il y a, je sais même plus, 13 ans. Et puis l'idée c'est de mettre en avant la passion de la chasse du gibier d'eau, la défendre au maximum. Et puis depuis 4-5 ans je viens à la foire des Huttiers du Sud avec Mika et toute la bande, et c'est un vrai bonheur de retrouver des chasseurs qui ont la même passion que nous du canard, mais aussi dans le sud. Donc non, c'est un bon moment. Et on y revient tous les ans avec plaisir. D'accord. Et est-ce que tu fais d'autres salons à part dans le sud? Ouais, ouais. Alors dans le sud, non, c'est le seul. Enfin si, on est venu à Saint-Gilles au mois de mars, ça c'est exact. Et puis on fera au mois d'août, fin août, la fête de la chasse à Sauternes. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des réseaux, un site internet? Alors on est hyper présent sur les réseaux, au niveau de Facebook, Instagram. C'est déjà pas mal. Et TikTok, ça c'est mon fiston qui gère. Et puis surtout, voilà, dans Gabion Unlimited, c'est vraiment une. Nous on essaye avant tout, enfin c'est pas uniquement une marque, c'est un état d'esprit de défendre la chasse au quotidien du gibier d'eau. Et surtout de transmettre au mieux ce qu'on nous a transmis de nos anciens. Voilà. Donc c'est l'esprit de Gabion. C'est une belle marque avec des belles valeurs. Bon, on essaye. En tout cas, on est content d'être en Camargue. Et vous aussi, enfin voilà, on sent qu'il y a un esprit fort, il y a des passionnés, et c'est un vrai bonheur d'être en Camargue aujourd'hui. Voilà. Super. Bon, je te remercie, JB. Avec plaisir. Du coup, on se retrouve avec Ghislain. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton entreprise? Alors oui, alors mais moi j'ai fait le Magnetor, c'est un récupérateur de cartouches. D'accord. Pour fusil semi-automatique. Ok. D'accord. Il récupère les cartouches lors de l'éjection grâce à un puissant aimant néodyme, tu vois. Très bien. Voilà. Donc c'est tout en aluminium, c'est incassable. À part si tu roules dessus en voiture, il n'y a que là que voilà. Quand t'as tiré, tu ramasses tes cartouches. Quand t'as fini de chasser, tu baisses ton bras. Tu ranges dans ton fourreau. Très bien. Si demain tu veux pas chasser avec, tu le démontes complet. Il te reste que ta plaque sur le fusil. Ok. Voilà quoi. Sinon, on va dire que sur un système à inertie, tu colles entre 90 et 100% de cartouches. Ok. Okay. C'est énorme. Et sur un empreinte de gaz, selon ce que tu tires, bien sûr, parce qu'au plus c'est chargé, au plus ça éjecte fort, tu colles entre 80 et 100%. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu fais souvent des salons ou c'est ton premier salon ici? Non, le premier que j'ai fait, c'était l'année dernière à Marguerite. D'accord. Voilà, chez Ramsey. D'accord.
Voilà, j'ai refait celui-là cette année. Et j'ai fait celui-là l'année dernière aussi ici, j'y étais. Et voilà, mais ouais, non, je fais pas trop. Je sais pas si j'ai fait le Game Fair cette année. Ah, et alors mais juste pour en présentation. D'accord. Voilà, juste en présentation, pas pour vendre. Mais voilà, c'est bien passé, c'était sympa. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pensé aujourd'hui de cette 5e édition de la Ford Utility Ben, elle est un peu plus grande que d'habitude. Ouais. Voilà, dommage qu'on ait eu un peu ce temps. Oui, on n'a pas eu de temps. Il a un peu plu, mais bon, c'est pas grave. La météo n'a pas été très clémente. Exactement. Mais sinon, ouais, non, sinon, voilà, je suis bien. C'est de plus en plus grand chaque année. Ouais, c'est super. Voilà. Il faut que les gens y viennent, quoi. Ouais. Faut que les gens y viennent. Non, non, c'est top, c'est top. Mika, il a fait du bon boulot. Ouais. Et est-ce que tu as des réseaux où on peut te retrouver, te contacter si on a envie d'installer ce système? Ben, tu peux le trouver ou sur Facebook, Instagram, TikTok aussi. D'accord. Ouais, tu tapes Magnetor, de toute façon, tu me trouves partout. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Ben, écoute, je te remercie. Merci à toi. Merci. Allez. Les amis, on se retrouve avec Stefano. Bonjour Stefano. Bonjour. Alors, présente-toi. Alors, je suis un producteur des appos italiennes. J'ai travaillé de manière artisanale. Ouais. Et j'adore la Camargue et je suis un ami de Chassin Camargue pour mon appos. Très bien. Est-ce que tu fais beaucoup de salons? Oui. Oui, tu es habitué à faire des salons? Oui, et j'ai fait des salons en Italie. Et EOS et Caccia Village, et j'avais visité le Game Fair la foire des outils du sud et le salon de migrateurs en Normandie. Génial. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de cette 5e édition de la foire des outils du sud? Alors, la foire des outils du sud, c'est magnifique. J'adore la Camargue, les chasseurs français et la protection de la chasse traditionnelle que vous présentez. Très bien. Et si une personne veut acheter un appo, où est-ce qu'il peut te retrouver? Sur les réseaux? Alors, j'avais un site www.spcall.it et Instagram, Facebook, visiter SP Call. Parfait. Merci beaucoup. Merci Stefano. Beaucoup à vous. Merci. Bon alors Dylan, oui. Qu'est-ce que tu as pensé de cette 5e édition de la foire de Utility du Sud? Ben écoute, moi j'ai trouvé cette 5e édition très réussi, beaucoup plus exposant que les années précédentes. Malgré la météo pas trop clémente, C'était mal parti, mais on s'en sort plutôt bien. Après, on a eu un petit passage en début d'après-midi compliqué avec un peu de pluie. Là, le soleil revient, donc non, dans l'ensemble, une réussite, ouais. Et l'année prochaine, on te reverra ou pas? Ah, bien évidemment, l'année prochaine, on est à domicile, hein, donc bien évidemment qu'on sera là pour la 6e édition. Alors aujourd'hui, que bien du sûr. Positif, que du positif pour nous, une belle équipe encore, beaucoup de clients fidèles, des nouveaux, donc ça fait plaisir et voilà, et que ça dure. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors? Ben, ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est qu'on arrive encore plus à progresser, à croître. Ah, ça fait aujourd'hui 4 ans que Chassin Camargue existe et on se développe chaque année et voilà, et que de la croissance pour les années futures, donc voilà ce qu'on peut me souhaiter. Et on retrouve où tous ces produits alors? Sur notre site www.chasse-en-camargue.fr. Super. Voilà.